je travaille dans un centre qui s'occupe des diabétiques à Madagascar et on a installé un programme qui est l'art-thérapie où on fait peindre les patients et en même temps ils peignent avec les médecins aussi. Et donc ce programme a été initialement mis en place par l'équipe du professeur Jean-Philippe Assal de Genève. Et dans le but, c'est aussi un recentrage vers le patient. C'est l'éducation des patients, puisque dans un pays comme le mien à Madagascar, il y a le problème social, il y a le problème économique. Ce qui fait que même ces personnes diabétiques-là sont rejetées tellement par la famille, les enfants sont abandonnés par leurs parents. Et tout ce problème-là fait en sorte qu'on a aménagé des programmes qui sont adaptés pour qu'ils réintègrent ce milieu social et en même temps qu'ils puissent développer eux aussi en fait une certaine autonomie par rapport à leur maladie, à leur diabète.